Bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers. Heureux de vous retrouver, mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ceux qui me connaissent, alias j'en ai marre, qui est mort et enterré, que son âme repose en paix. Heureux de vous retrouver, chers amis, dans cette vraiment unique aventure que l'on vit ensemble. Et c'est pas fini, ce n'est que le début. Attachez vos ceintures. Parce qu'on va vivre des événements et des moments historiques. Là, on vient d'assister probablement, et on a assisté à l'effondrement du système. Le système est fini, effondré. Ceux qui vous disent « le système va s'effondrer », il y en a manqué un petit bout parce qu'ils sont trop pris avec toutes sortes d'idioties, de conspirations, plus loufoques les unes que les autres, que tu ne pourras jamais prouver. L'origine, qui a fait ça, pourquoi, comment, papy, papa, toutes des questions complètement, complètement inutiles, qui servent à rien et qui résoudront absolument rien non plus. Ce qui est arrivé, on est maintenant où on est. Et c'est important que vous réalisiez que vous devez vous adapter et comprendre ce qui s'en vient. C'est ça le plus important, pas comprendre ce qui est arrivé. Ça ne changera jamais la réalité. Il faut savoir où on nous amène et où on s'en va. Le système est fini, est effondré. J'espère que vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire réaliser ça, que le système ne va pas s'effondrer, que le système est effondré. On est tous à la maison, les enfants n'ont plus d'école, les magasins sont fermés. Le pétrole, hier, s'est retrouvé au prix le plus bas jamais enregistré. Vraiment, même pas à zéro, sous zéro, à moins 37,63 $. Ça veut dire que ceux qui produisent, ceux qui font l'extraction du pétrole et qu'ils vendent à ceux qui le transforment, étaient prêts à vous donner, hier, vous donner 37 $. Non seulement on vous donnait le baril de pétrole pour zéro, mais on vous donnait 37 $ en plus. On vous payait pour que vous nous débarrassiez de ce pétrole-là qu'on venait d'extraire. Je ne sais pas si vous réalisez où on est rendu. Parce que pour ces gens qui font l'extraction du pétrole, on n'a plus de place pour l'entreposer et d'arrêter les machines, ça fait souvent, ça cause des problèmes incroyables. Tu ne peux pas repartir la machinerie, ça brise et après ça, tu ne peux plus réutiliser ce puits-là. Donc, on a préféré donner 37 $ le baril à quiconque voudrait leur débarrasser de cet or noir. Mais les capacités de stockage sont quand même limitées. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation où j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre que le système est effondré. Ça ne veut pas dire que les riches seront plus riches, que les riches domineront plus et qu'ils n'ont pas un système monétaire et que le système monétaire va disparaître. Non! Ça veut juste dire que le système qu'on était habitué de connaître et dans lequel on évoluait, qu'on peut faire remonter à début de l'industrialisation et un peu après, ben ce système-là, qui a exploité la Terre, qui a exploité les humains, est arrivé à sa fin. Il est fini. Ce système-là est fini. Vous êtes chez vous. Comment vous allez vous remettre de ça? Quand vous allez retourner travailler, on ne sait pas. Quand les enfants vont retourner à l'école, on ne sait pas dans quelles conditions, dans quel genre de système, on retournera à l'école. Est-ce que les enfants pourront être un à côté de l'autre? Toujours le même nombre d'étudiants dans les classes? Est-ce qu'on aura dans ces établissements-là, ces centaines, ces milliers d'étudiants en même temps se côtoyer dans les couloirs, dans les casiers, un à côté de l'autre? Comment on va gérer tout ça? Parce que le post-pandémie va être bien plus important que la pandémie elle-même. Et c'est pas vrai qu'on va retourner dans ce qu'on avait comme habitude avant. J'espère que vous êtes capable de réaliser ça aussi. Et comment tout ça va se remettre en marche, ça sera plus comme avant. Il y aura plus le même genre d'économie, le même genre de consommation. On est en train, c'est pour ça que ça prend du temps, que ça va prendre du temps. On a tout annulé dans le long terme, hein? Les Olympiques, c'est remis au calendrier grec. On vous dit l'an prochain, mais c'est remis au calendrier grec. Toutes les compétitions sportives majeures, c'est remis au calendrier grec. L'Octoberfest
a été annulée cette année. La plus grande fête de la bière en Allemagne, en Bavière, qui rapporte 1,5 milliard de dollars pour les gens du coin et qui amène 6 à 7 millions de touristes. D'ailleurs, le tourisme, je ne sais pas, mais ce que vous en pensez, j'ai l'impression que ça aussi, c'est fini. Pensez-vous qu'on va se retrouver encore dans des avions collés un à côté de l'autre avec un air vicié qui est toujours le même, qui est recyclé? Des croisières, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Les hôtels, les autobus, le transport en commun? Nos habitudes de tous les jours, le post-pandémie, waouh, c'est ça qui est le plus important à penser, à réfléchir et surtout à se préparer sur ce qui s'en vient. Nos vies sont pour toujours changées. Ça va finir comment? Je ne sais pas. La seule chose dont je suis certain, c'est que les riches vont continuer à être riches, à dominer. Nous autres, on va continuer à être au service des riches puis être pauvres. Sauf que là, ça y est, ça va prendre une autre forme. Peut-être plus totalitaire, moins totalitaire. Je vous laisse conclure là-dessus, puis c'est le temps qui va nous le dire, mais ça va venir vite. Une chose est certaine, la numérisation va se poursuivre. La robotisation, maintenant, va sûrement prendre un élan incroyable. Parce que vous avez vu, on va vous dire... On ne peut plus se fier vraiment à l'humain parce qu'on est obligé, pour le protéger, de tout arrêter, les chaînes de production, les usines, les magasins, les restos. Est-ce qu'on va en profiter pour nous mettre au rencard et nous amener la robotisation pour nous sauver et nous donner un revenu garanti minimum à la maison, à s'occuper d'autres choses, s'occuper de la communauté, faire des travaux communautaires, un espèce de service civil universel, pendant que les machines travailleront pour nous à produire et à produire et à faire marcher les usines. Là, je vous lance aussi l'idée. Naturellement, la robotisation pour... Et c'est pour ça qu'on l'a créée, c'est pour ça qu'elle continue à avancer. Il n'y a personne, il n'y a pas un politicien qui veut l'arrêter. Et Donald Trump n'est pas là pour arrêter la robotisation non plus. Comme il n'était pas là pour protéger les droits et libertés de qui que ce soit, parce que tu ne l'as jamais vu lever le petit doigt face à tous ceux qui se font bannir et rendre silencieux sur toutes les plateformes, ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête. Tant que lui et son compte Twitter ne sont pas touchés, il n'y en a rien à cirer. La robotisation, c'est moins de casse-tête pour les vacances, moins de casse-tête et de coûts pour les congés de maladie, les congés de grossesse, les congés de ceci, les congés de cela, les blessures, et ce qui vient d'arriver maintenant, une pandémie mondiale qui fait tout arrêter. Donc, on va vouloir réduire ça au minimum, peut-être. Nous laisser à la maison, vous dire, ça y est, on a trouvé une solution pour tout le monde, qui va rendre tout le monde heureux et qui va être juste pour tout le monde. Pourquoi pas? Parce qu'on a l'argent, on peut créer l'argent de façon, de toute façon, à partir de l'air qu'on respire. Hein? Dans le fond, ça ne tient pas à plus que ça. On va donner un minimum à tout le monde. Les riches vont rester riches. Nous autres, on va vivre de façon communautaire, dans un service civil. Nos vies vont devenir un service civil. Et tout le monde sera heureux. C'est pas formidable? C'est peut-être ça le plan. Mais une chose est certaine, il y a quelque chose qui est commencé. Qu'est-ce que c'est? Ça va se défiler rapidement. On va le voir rapidement. Mais je voulais vous partager ces petites impressions que j'avais. Laissez faire le passé. Préoccupez-vous de ce qui s'en vient, ce qui nous attend. C'est toute une aventure. Je vous reviens.